Cette année, le festival de la gastronomie de Chengdu met l'accent sur l'industrie globale des services traiteurs. Il vise à faire de Chengdu une capitale internationale de l'industrie alimentaire, mais aussi un écosystème alimentaire de rang mondial. Des chefs originaires de 18 pays et régions ont présenté leurs menus phares, tandis que les marques réputées du secteur venant de tout le Sichuan ont mis à l'honneur la cuisine locale pour les papilles des dégustateurs. Ont été présentés divers plats allant des poumons de porc dans une sauce chili ainsi que des fondues épicées qui sont des méprisés par les gourmets du monde. La cuisine du Sichuan fait partie des 8 premières cuisines de Chine et Chengdu en est la capitale, là où cette gastronomie poursuit son développement. Début 2010, Chengdu a été nommée cité de la gastronomie par l'UNESCO, la première ville asiatique à recevoir un tel honneur. On trouve actuellement plus de 100 000 restaurants dans la ville. L'an dernier, l'industrie de l'alimentation de Chengdu a engrangé près de 80 milliards de yuan de revenus. Le Festival international de la gastronomie se poursuit jusqu'au 10 janvier.